Dites-moi, on voit que c'est des très grands formats. Il y a un tableau ici à ma gauche. Est-ce que vous me permettez de faire un zoom Oui, pour bien montrer sûr. quelques tableaux, puis Oui. peut-être dire d'où ça vient Alors, ce tableau-là, c'est un tableau qui a accompagné le thème sur les enfants. Donc, où elle a mis toutes sortes de petits bonhommes qui jouent là, dans des jeux. Oui. C'est un immense tableau. Je crois que c'est 5 pieds par 8 pieds. Donc, c'est très, très Extraordinaire, grand. extraordinaire. Oui. Vous en avez deux sublimes aussi ici. Oui, absolument. Donc, Qui est celui celui-là de de droite. droite, qui est un... Ça ressemble quasiment à un petit peu du lavis ou du fusain, là, Oui. mais qui est un nom figuratif. Et celui sur la gauche, Oui. celui-là, qui s'appelle l'Éden. Oui. Donc, elle a peint un petit peu l'endroit où elle est certainement en ce moment, le jardin d'Éden. Je vais montrer le tableau ici, à ma droite. Alors ça, c'est aussi un nom figuratif de la même époque, je dirais, que l'autre, dans les années Oui. 90. Et Des grands formats, hein? Elle oui, avait tout à beaucoup de fait. choses à dire, à Tout à fait, tout raconter, à hein? fait, tout à fait. Elle a Ça, une c'est un 42 céramique. par 42 pouces. Et il y a énormément de détails dans les tableaux de ma mère. Absolument. Est-ce que vous me permettez d'aller faire un petit zoom sur celui qui est là? Certainement. Lui, c'était un de vos coups de cœur, je pense, Oui, hein? moi je trouve que ce tableau-là, c'est carrément Il est sublime, un absolument. chef-d'œuvre. D'ailleurs, je crois qu'elle en a peint beaucoup des chefs-d'œuvre, ma mère. Absolument, comme je disais, il y en a partout ici. Oui.